Par contre, qui est où? Faut qu'il bat ça de fitaille. Faut qu'il bat ça de fitaille parce que Bougor a une prestation d'acteur Hollywood de haut niveau, mais de haut niveau standing de galaxies lointaines du cosmos méconnu, mon frère. Gros bonheur. Pour ceux qui n'ont pas compris, donne à ça de son fit, mon frère. Ça fait des années qu'il y a des petites paroles, des cancans, des pics, des tic-tac, des nanani nanéo sur les réseaux. Ok? Ça va faire 5-6 ans qu'il y a des trucs entre les deux par rapport apparemment à un son qui n'est jamais sorti. Je pense que là, c'est la réconciliation apparemment. Il faut le fit. Bah, Bouga Fitaï. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez en commentaire. On attend le fit. Sadke Wozen. Et comme ça, ce sera l'occasion de donner encore plus d'acting. Vous savez, et je pense que Kérou le sait aussi. Maintenant, il le sait en tout cas. On parle autant des cancans, des petites paroles, des clashs, que des réconciliations. On aime autant les deux. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé la formule? Parce que pour le moment, le clip a fait un démarrage d'enfer, les gars. Bonjour et bienvenue sur Live La TV. Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro caribéenne. C'est Stéphane Burz, a.k.a. Carbon 14, a.k.a. Monsieur Chapeau Vissé. Oui, oui, c'est lui-même, le seul, l'unique et l'authentique. Si, si. Vous êtes sur Live La TV et vous regardez donc La Formule. La Formule est une émission d'analyse musicale. Nous allons étudier la science de la musique autour d'un système dans lequel la physique sera le flow, mathématiques pour le texte, chimie pour l'instru, algèbre pour le clip et enfin alchimie pour le tout pour voir si tout est homogène, s'il n'y a pas de grumeaux, si rien ne dépasse. C'est parti, nous allons nous analyser le morceau choc de Kérosène. Commençons par les mathématiques. Le texte. Le texte, c'est un storytelling, c'est-à-dire qu'on suit le déroulement, le scénario de l'histoire. Il y a un développement, c'est cela. Ça commence par un vocabulaire de la loyauté, de l'amitié, de la fraternité. Cette fraternité qui apparemment est chérie, elle est chère parce que c'est une fraternité qui vient de l'enfance. L'enfance, ce sont les souvenirs qui sont les plus ancrés en nous, les plus forts, les moments les plus marquants, on va dire. Et au niveau des liens, en fait, ils sont forts. Quand on a écouté une musique quand on est enfant, c'est fort. Quand on a vécu une amitié à l'époque, c'était fort, quoi, tu vois. Et cette amitié, dès l'arrivée d'Anna Blue, elle change. Car au départ, c'était un vocabulaire, comme je l'ai dit, de loyauté. Et c'est devenu dans un vocabulaire de dénigrement un peu. Il est devenu bête, son pote. C'est ce qu'il dit. Faible, devant les fesses. Faible, il n'est pas raide. Devant fesses, même les pites paraissent. Il y a commencé à avoir une dissension entre les deux dès l'arrivée de la belle. C'est comme ça qu'il qualifie Anna Blue quand elle apparaît dans le clip. Belle, trop belle, donc l'amitié disparaît. Dénigrement emmène à vulgarité. Chante, salope. Chante, salope. Ça devient déjà plus violent. Donc au départ, on a ce vocabulaire d'amitié, d'amour fraternel. Et là, on a vraiment une vulgarité de haine. Et cette haine, en fait, va se transformer dans un vocabulaire de trahison, dans le deuxième couplet, de trahison de ce sentiment qui était fort pour les deux, qui unissait une relation entre frères. À la fin du deuxième couplet, Kérosène va nous dire que cette amitié, elle est finie. Et on a dans le clip en écho Anna Blue qui nous dit ceci. Donc, le clip et le son, l'algèbre et les mathématiques sont liés. Ben oui, il y a de l'algèbre dans les mathématiques. Donc, les deux sont liés. Et ce qui nous touche dans ce texte, c'est de voir que deux frères qui autrefois étaient loyaux à la mort se retrouvent déchirés par une femme. Et ça, c'est une histoire qui, on va dire, peut nous arriver à tous, voire nous est déjà arrivé à quasiment tous, je pense. Pour cette raison, pour l'utilisation même en off, c'est-à-dire briser le quatrième mur pour nous donner une partie de son, ça c'est très intéressant. Et pour tout ce que j'ai expliqué de storytelling, je vais donner un 10 au texte de Kérosène. Passons maintenant à la physique, au flow. Alors le flow tout d'abord, ce n'est pas forcément un flow dans les couplets qui soit différent
des autres flows que j'ai entendus de Kerosene. C'est-à-dire qu'il a un très bon flow, saccadé, technique, il est très technique. Mais ce n'est pas un flow différent, c'est un storytelling qui est bien mené, il y a beaucoup d'informations dans ce qu'il dit, il débite quoi. Néanmoins, le refrain, je trouve qu'il a été intéressant car il a réussi à nous placer deux mots. Deux mots qui pourront être scandés, répétés très facilement, sans problème. Ce qui nous permet en fait d'assimiler ce qu'il a pu dire dans les couplets, de pouvoir se concentrer sur le clip, de pouvoir se concentrer sur l'émotion qui est dégagée par les scènes qui sont jouées par les acteurs. En ceci, je trouve que c'est très intéressant parce qu'une œuvre musicale, c'est un mélange. Si vous avez le clip, vous avez le son ensemble, donc vous avez l'instru ensemble, tout ça, c'est un mélange qui est concentré et qui va nous donner une œuvre. Une œuvre musicale, c'est tout ce mélange en fait. C'est comme si vous avez regardé un film presque et vous en oubliez presque le morceau. J'ai dû écouter le morceau 2-3 fois pour vraiment rester sur les couplets. Le refrain, il est toujours là forcément. En plus, ça pousse à réécouter pour vraiment écouter et comprendre vraiment ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu amener, sachant qu'il joue aussi avec le fait qu'il y ait leur problème entre les deux à l'origine et qu'ils aient fait la réconciliation. On a même vu quand ils se sont rencontrés, en fait, des images. Et là, je vais lui donner un 10. Un 10 parce que c'était vraiment bien trouvé ce refrain avec deux mots basiques et en même temps bien trouvé. Passons maintenant à la chimie, l'instru. Alors l'instru, il est mélancolique. Il ressemble beaucoup aux instrus de Kerosene. D'habitude, si on devait aller sur YouTube et chercher un instru du style, je pense qu'il serait dans la catégorie Kerosene Type Beat. Pour ceux qui connaissent le Type Beat, c'est-à-dire que c'est un instru avec un style qui correspond, selon le beatmaker, à l'instru. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, vous cherchez Type Beat, vous allez trouver des instrus de style de Niska, de Pop Smoke, etc. Vous voyez? Mais je trouve qu'il se prête bien, en fait. Il accompagne bien, il permet à Kerosene d'être à l'aise et de pouvoir vraiment être installé et imposé sur ce morceau. Donc à ce niveau-là, je lui donne un 9. Parce que bon, je trouve que c'est pas l'instru le plus différent, le plus surprenant de l'univers de Kerosene. Mais c'est un très bon instru. Donc instru de Le Tige. Hein. Le Tige, je sais pas si je le dis bien. Le Tige, here we go. Passons à l'algèbre, le clip. Alors le clip est réalisé par J Island. Pour ceux qui connaissent pas J Island, il a pu réaliser le Tennessee avec Gumbidji 24 carats qu'on a pu analyser sur la chaîne. La vidéo, elle est par ici, je crois. Voilà. Voilà, J-Island, c'est un gars qui a vraiment un univers. Il ramène vraiment un univers qui arrive à donner du charisme, à donner un côté ricain et en même temps proche. Et dans ce clip, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les prises ne sont pas les prises les plus extraordinaires, on dira. Il y a des prises qui sont en gros plan dans la boutique de bijoux, etc., qui donnent vraiment un côté ricain, je trouve que c'est bien. Sinon, nous avons des prises qui sont un peu moins calibrées, mais elles sont un peu plus en mode réel. C'est-à-dire qu'il arrive à nous plonger dans l'histoire, à nous faire rentrer et à partager l'histoire avec eux comme si on est là avec eux en même temps. Le clip commence par deux protagonistes qui représentent Kerosene et Sad étant jeunes. Puis on passe à eux maintenant. On les voit, ils achètent, Kerosene achète à Sad une chaîne, donc il endosse un rôle de grand frère, il rajoute une proximité. Puis à l'arrivée de Anna Blue, on voit qu'ils étaient tous les deux réunis à la plage et là, il y a une cassure entre les deux, il y a une brisure. Le clip arrive à bien suivre le scénario du son, il englobe le son et ils ne font qu'un. Ça, c'est intéressant. Alors, je tiens à tirer mon chapeau à monsieur Sad One by One. Parce que Sad, Hollywood, dans l'univers du cosmos lointain, méconnu. Oui. Franchement, le gars a su nous donner la haine, l'amour, la joie, la tristesse et la colère, la violence en même temps. Parce que la scène d'amour et de haine, elle est violente à la fin, elle a un peu le tout. Et les différents personnages, on a vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il est, qu'il ne joue même pas. Tellement c'est réel, tellement c'est bien joué, justement. Parce que quand on regarde les lives de Sad, on voit que quand il s'énerve de la même manière. À moi, si mal. Je trahis si mal, toute ton famille si mal. Je trahis toute la Guadeloupe. Ok, oh, papa, les mains, vous l'en prie. Vous l'en prie, tout. Vous l'en prie, tout. Chante. On pourrait même croire que c'est la même chose qui a été faite, qu'il était vraiment énervé à ce moment-là de la prise. Lorsqu'il voit sa femme arriver, la joie et l'amour, c'est présent.
Lorsqu'on le voit avec Kero, on voit qu'il est là à 100%. C'est un acteur, ce mec. On a du talent en Guadeloupe. Il faut valoriser nos talents. Oui, monsieur, il faudrait aller essayer de faire d'autres films. Messieurs, si vous avez des films, appelez Sad One by One. Ça pourrait lui permettre de voir un autre univers, justement. De pouvoir l'inscrire dans une autre chose. Donc, pour le clip, je vais mettre la note de 10. Parce que c'est un très beau mélange et c'est une belle œuvre artistique qui nous a permis de découvrir les talents d'acteur de Sad One by One. Et aussi, Kero, Bassad Fitaï, man. Faut Bassad Fitaï. Pour ceux qui n'ont pas compris, faut donner à Sad son featuring. Il mérite son featuring. Il méritait. Le gars t'a donné une prestation d'acteur Hollywood, de l'univers, du cosmos, des galaxies lointaines et méconnues, mon frère. Tu comprends ce que je te dis, hein? Le gars a été loin. Donc, faut lui donner son feat. Sachant qu'à la base, le problème entre les deux, c'est une histoire d'un featuring qui n'est jamais sorti. Il y avait un featuring Sad, Kérosène, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais même pas. Mais en tout cas, ça fait 5-6 ans, ils sont sous les réseaux en clash par rapport à ce featuring. Et réconciliation actuellement. Le clip, démarrage de ouf. Peut-être qu'ils ont trouvé la formule. Réutilisons cette formule, mais en lui donnant le feat Kérosène Sad, ce serait intéressant. Si vous aussi, vous voulez le feat Kérosène Sad, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Kérosène Sad, on veut le feat. N'hésitez pas à leur envoyer la vidéo aussi. Bombardez-les avec la vidéo afin qu'ils puissent la voir et faire le feat. Sait-on jamais, ça pourrait arriver. En plus, Sad, il est sur plusieurs sons qui sont pas mauvais du tout. Le Jia Kanla qui est un tube. Et avant, il a sorti le Bougou Triste que je trouve vraiment très intéressant. Le Bougou Triste est vraiment très intéressant, donc je vous le conseille d'ailleurs. Et pour finir, l'alchimie. Je tiens à big up les différents protagonistes, c'est-à-dire Kérosène, Sad One by One, Anna Blue, G-Island. Parce que, en fait, on aime autant les histoires de cancan que de réconciliation. Quand ça fait des années que les choses sont dures, qu'on voit que les rapports sont froids, si les choses peuvent être arrangées, c'est tant mieux. Sachant que dans l'histoire du son, ça finit mal, en fait. Parce que les deux versants des relations sont mortes. Que ce soit le couple entre Sad et Anna Blue, que ce soit l'amitié entre Kérosène et Sad One by One. Donc, ce clip est en train d'histoire et de morale qui peut toucher un peu tout le monde, on va dire. Qui peut toucher tout un chacun et nous permettre peut-être de relativiser dans nos vies. Donc, ce morceau chante de Kérosène, accompagné du clip et des prestations d'acteurs, est homogène. Je ne vois pas quoi dire de plus. Et c'est pour ça que je vais donner un 10. J'ai envie, vraiment, ça me démange de mettre un 9. Ça me dérange, ça me démange de mettre un 9. Ça me démange, mais ça me démange de mettre un 9. Mais je dis juste parce que, en fait, for Bassad Fitaï, on va dire un bouga chien, bouga carambeur des mounes. Oui, mais mon gars, les gars, c'était pour ça le problème. Un feat, et même Kero, parce qu'on dit qu'il a donné à Sad, même Kero, Kero, c'est un démarrage comme il n'a pas fait depuis longtemps. Donc la formule est peut-être là. Prochain son, ou bien on attend 2-3 sons, mais en tout cas prochainement, il nous faut le clip en plus pour avoir plus d'acting encore, plus d'Hollywood, mon frère. On va chercher des cascadeurs, hein? Et on ramène Sad et Kérosène, on nous fait du... Un featuring pour un hit. Un feat pour un hit. Sad One by One, Kérosène, on attend ça. Ok? Waya! C'était Stazambers, chapeau vissé sur la tête, a.k.a. Carbon 14. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, à cliquer sur la cloche, à mettre un j'aime, à regarder les vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très, 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 très bientôt sur Live La TV. Portez gomme! Waya! Yeah!
chaîne afro-caraïbienne.